me dérange pas qu'un mec soit coquet, c'est normal, c'est votre truc, mais il y a des limites quand même. Notre truc, ouais. Mais tu veux qu'il soit parfait et tu veux pas que ça prenne de temps, c'est compliqué. Non, je veux pas qu'il soit parfait, je veux qu'il soit normal, genre normal bien. Regarde-toi, c'est pas pareil, t'es mon frère, mais tu vois, t'es naturel, tu te prends pas la tête. Oui, non, c'est vrai, je me prends pas la tête. Tu vois, le matin, à part une petite base hydratante, un petit peu d'anti-cerne, un peu d'anti-ride, une crème de jour, un petit peu de cire dans les cheveux, un petit coup de pince à épiler sur les sourcils, un petit coup de tondeuse sur ma fausse barbe de 3 jours, non, franchement, je fais rien. Bah voilà. Je m'appelle Martin, j'ai 30 ans, et dans mon monde, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Bon, après, je fais juste attention à ne pas remettre la même tenue à moins de 5 jours d'intervalle, sinon je me fais chambrer au boulot. Mais de temps en temps, j'avoue que ça m'arrive de mettre deux fois la même paire de chaussures. Ça, c'est mon côté nature, je me prends pas la tête, quoi. Ouais, tu vois, tu ne prends pas la tête. Où survas un bon petit cul, toi. Mais non, vas-y, trop vieux. Hey, les pucelles, fermez bien vos gueules. Oh, meuf, t'as cru quoi, là? T'as qu'à dire à ton mec d'arrêter d'allumer tout le monde. C'est mon frère, connasse, je te défonce, moi. Bah, tu sais quoi, t'as qu'à dire à ton frère, on n'est pas intéressé, t'as eu. Tu sais quoi, ton rêve, il est périmé, on dirait un daron. T'as cru qu'on voulait taper un daron. Eh, franchement, tu sais quoi? Respecte-toi, va t'habiller. Toi, tu parles à mon frère? Toi, tu parles à mon frère. Allez, on s'en fout. Mais d'où tu me manques de respect, là? On s'en fout. Tu parles à mon frère. Tu parles à mon frère. Je te défonce. Vas-y, ta mère, la gouine. Allez, arrête, on s'en fiche. Je supporte pas les meufs qui Allez, parlent comme ça bon, dans la ça rue, va, là. Tu l'as dit, c'est des burnes. C'est bon, on a compris, ça y est. Tu veux monter ou t'es pressé? Quoi? Mais ferme ta chemise, toi aussi. T'es sérieuse, là? Quoi? Bah oui, je suis sérieuse. Enfin, c'est normal que tu te fasses emmerder avec ton jean moulant, là. Tu cherches. T'es sérieuse, là? Mais elle pense qu'à ça, c'est pas la peine de provoquer. C'est moi? C'est moi qui provoque? C'est moi qui suis provoquant, c'est de ma faute? Alors vraiment, mesdames, je suis désolé si je vous ai provoqué, là, avec ma chemise. Je sais pas ce qui m'a pris. En plus, on voit mes coudes, c'est dégueulasse. Non, vraiment, essayez de ne pas me violer. Ça serait vraiment très sympa, merci. Ça va? T'es rassurée? Ça y est? Je dis ça pour te protéger, il y a des tarés partout. Oh, merci beaucoup, Frangine. Merci, je me sens vraiment protégée grâce à toi, tu vois. Je me sens libre, je me sens libérée. Vraiment, c'est super. Tellement libérée, tu vois, que j'ai envie de baiser, là. J'ai envie de baiser, j'ai envie de sexe, là, d'un coup, là. Là, maintenant, même sur le trottoir, là. Hé, mesdames, ça y est, c'est bon, c'est le moment, là. Venez me prendre, là. Venez me donner vos petits seins, là, vos petits culs, là. Tout à l'heure, tout le monde voulait me baiser, là. Plus personne? Qu'est-ce qui se passe? Hein, bon petit cul, ça, hein? 18 sur 20, ça, c'est 18 bien. 18 sur 20? C'est cool. En plus, en ce moment, j'arrête pas de bouffer. Merci, voisin. Bah, de rien. Bonne journée. Oui, évidemment.